Et salut tout le monde, c'est Jeux Vidéo Continue. On se retrouve pour le 26e épisode de Assassin's Creed 2. Donc dans l'épisode précédent, on avait fait tous les points d'observation. Par contre là, ça s'est pas débloqué, je sais pas pourquoi, ça doit être un bug, ça doit être normal, je sais pas. Donc on avait fait tous les points d'observation, on avait aussi fait 3 glyphes. Donc il nous en reste plus qu'un qui est dans une ville quelque part ici, je crois que c'est ici. Dans un petit village, dans une petite habitation. Donc pour cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les missions annexes, les petites missions annexes, c'est-à-dire action punitive, mission courrier et la dernière qui est ici. Contre l'assassinat. Ah non, on a aussi une course sur les toits. Donc on a 2 pages de codex à récupérer. Et puis ce sera tout. Donc on va déjà commencer à faire l'émission, après on verra pour les pages du codex. Et le glyphe, je pense pas qu'on va le faire pour cet épisode, on le fera plus tard. Donc attendez, je vais quand même vérifier qu'il m'en reste plus qu'un. C'est où déjà? CCC, base de données. Attendez. C'est pas lieu secret, c'est lieu tout court, en Toscane. Ouais, voilà, il me reste plus qu'un. On a un glyphe ici. Et là, on a le tombeau d'assassin. Bref, donc. Alors, avant de commencer, on va aller voir les marchands. On va voir ce qu'ils ont de nouveau à nous donner. Alors, les tableaux. Ok, celui-là, je l'ai déjà acheté. Ah non, j'ai pas assez. D'accord, en fait, c'est que des femmes nues. Pourquoi pas. Carte au trésor. Ok, donc on va s'acheter les deux. Je pense que ça va être des coffres. On a déjà celle de la Toscane. Et San Gimignano. Voilà. Tableau, on verra plus tard. Vous êtes un grand messieurs. Ouais, voilà. Donc là, c'est les coffres. Ok, il y en a quand même beaucoup. Donc, ensuite... on va aller voir... le forgeron. Donc je suis encore malade, je suis encore un peu enrhumé. Je vais aller récupérer le coffre avant. Mince, excuse-moi. Je crois qu'il est au-dessus. Tu vas pas me dire que tu peux pas là quand même? C'est une blague. Ok. Donc où est-ce qu'il est le coffre? Il doit être au-dessus. Mince, où est-ce qu'il est? Ah, peut-être tout au-dessus. Ah ouais, je pense. Donc on va grimper tout dessus. Tout au-dessus. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué maintenant à grimper. Voilà. Ok, il y a un garde en plus. Ouais, ok, le coffre il est ici. Je pense que tu vas avoir mal. Ça dégage. Ouais, il a dû avoir mal. Donc, hop, on fouille. Et mince, je suis recherché. Bon, c'est pas grave. Donc, on va aller voir le forgeron. Entrez mes amis, entrez. J'ai ici les partitions d'œuvres composées par de jeunes talents prometteurs. Ok, il est ici.
On va tous réparer au passage. Armure, qu'est-ce que t'as? Protection en cuir, protection Elchmade. Arme, Fauchon Florentin. Sur tout le reste, on a. Petites armes, on a tout. Munitions, on a tout. Donc, on va se prendre de l'armure. Celui-ci, par exemple. On va se prendre les deux. Mais attendez. Attendez là. Si je prends celui-là, est-ce que ça va échanger avec celui-ci? Parce qu'en fait, c'est protection bras tous les deux en fait. Écoute, on va prendre quand même. Au moins, on aura tout acheté. Je ne pensais pas que vous aviez assez d'argent. Attendez. Valeur de monter à gagner plus de 100. Est-ce que tu peux me faire montrer ton bras, s'il te plaît? Enfin, je crois que c'est bon. Attendez, parce que là, les deux bras, c'est pas les mêmes. Ouais, donc le bras de droit, c'est bon. Et le bras de gauche, c'est celui-là, d'accord. Donc il y en a un de chaque sur chaque bras. Je me disais aussi. Ok, donc on a un coffre, on va le prendre aussi. Là, ensuite, on a quoi comme magasin? Ah oui, le tailleur. Ah mais je pense pas que j'aurai assez. Ah si, peut-être que si. Voir ce qu'il a comme nouveau vêtement. Vas-tu me rembourser la marchandise que tu m'as jamais livrée? Parle à qui là? À moi? N'approchez pas! Ah mince! Bon, bref, on va le laisser tranquille lui. J'aurais bien à l'autre côté là, merci. Ah, on a une affiche, nickel. Voilà. Ok, il est là-bas. Nous ne suivons pas la mode, c'est la mode qui nous... Alors, sacoche, on a tout teindre. Oh, voilà, moi je voudrais c'est celui-ci. Ouais, on va se prendre celui-ci. Ouais. Donc il est un peu plus foncé, donc je trouve ça un peu plus beau quand c'est plus foncé. Revenez vite. Ah oui. C'est nickel. Donc, bah écoutez. On est parti pour l'émission. Donc on va commencer par action punitive. J'ai rien oublié qu'au magasin. Non. Donc on est parti. C'est de l'autre côté, faut que je refasse le tour. Tu vas mourir. Non, pas question. Je vais fouiller les corps. Comment oses-tu dépouiller un mort? Tu n'écartes. Alors. Voilà. C'est parti. Alors, le silence est d'or. J'ai suivi l'un des bienfaiteurs des Pazis jusqu'à une ferme. Alors, attendez, parce que je suis enrhumé, c'est assez chiant. Jusqu'à une ferme à l'est de San Gimignano. Si tu le tues, nous ne pourrons que mieux nous porter. Lorenzo. Accepté. Alors, repérez la cible. Est-ce que c'est loin? D'accord. C'est dans un petit bâtiment. Ma
Nickel. Donc c'est tout là-bas. Ok, donc on va y aller à pied. Ah, ça fait tellement plaisir de se balader dans des endroits comme ça, c'est tellement beau. De l'herbe à perte de vue. Ok, donc c'est là-bas, je crois, c'est dans... Ouais, ok, c'est ici. Zone non autorisée. On va essayer de tuer le garde dessus. Discretos. Ok, c'est lui là-bas. Où est-il ? Attendez un moment. Où est-il passé ? Il est sérieux, vois pas ce con. Ah, cible perdue. Ah, mince. Ah, le con. Ok. Ça commence bien. Vas-y. Vas-y. On va faire le passage. Voilà. Ah, je vais le prendre. Ok, donc on est parti. D'accord, c'est là. Zone autorisée. Tuer la cible. Non. Voilà. Quoi, il est pas mort? Ah, ok, je l'ai eu. D'accord. Ils m'ont totalement oublié. D'accord. Donc, on va enchaîner avec la mission courrier. Ah, il y en a encore. Ah oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Même à Florence, on avait encore. D'accord, c'est vrai, j'ai oublié. Donc on va quand même faire la mission courrier. Mission punitive, on en fera une peut-être après. Je sais pas, on verra. Ok, par ici. Je crois qu'on va récupérer les coffres avant. Ah ouais, il y en a deux ici. La dernière fois que quelqu'un s'est comporté. Nos tortionnaires sont vraiment très doués. Si on peut faire, il a aucune chance. Oula, d'accord. Merci. Voilà. Et voilà. D'accord, donc on est parti. Alors je sais pas si ça va être une mission principale, ça. Je pense pas, hein. Ceci doit être livré dans les plus brefs délais. Si vous êtes rapide, vous ne le regretterez pas. Ouais, alors c'est une mission annexe. Alors, sauvé par le gong. Portez cette lettre à la chapelle située à l'autre bout de la cité avant le début de la cérémonie de mariage. D'accord. Ok, on peut lire la lettre. Auteur Romando. Cher Vincent, les preuves dont je dispose confirment nos pires craintes. Votre fille va épouser un imposteur. Léon dit qu'il est guelfe, alors qu'il est en fait florentin. Tout semble indiquer que ces escrocs tentent d'infiltrer le gouvernement et de nous priver de peu d'indépendance qui nous restait.
Je ne doute pas qu'après avoir lu ceci, vous serez aussi exaspéré que moi. Je suggère donc de le jeter du haut de la Tor Grossa. Cela montrera à Florence que nous sommes déterminés. Bien à vous, Romando. PS, une fois que nous serons débarrassés de ce gêneur, nous pourrons penser à l'avenir. Comme vous le savez, mon fils est en âge de se marier. Il pourrait faire un bon époux pour votre fille. D'accord. Qu'est-ce que c'est loin? Alors, c'est de l'autre côté, d'accord. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible. Ok, j'ai 2 minutes. Bon, ça va le faire, je pense, hein. Ah mince! Je vais trop loin, quel con! Mais qui vous a appris à faire ça? Allez! Descends! Vous pourrez nous montrer comment rien vous à faire, faire là! Le voilà! Là-bas! Bon, ça va le faire quand même. Ok. Checkpoint atteint. D'accord. Sauvé par le gong synchronisé. Donc. C'est quoi ça? Contre l'assassinat. Ok, on va faire celui-ci maintenant. Il est là-bas. Hop, voilà. Alors, ma propre, 4 gardes de San Gimignano projettent de m'assassiner. Ils vont le payer de leur vie. Les citoyens connaissent tes méthodes et je ne veux pas qu'ils sachent que tu es impliqué dans cette mission. Je te demande d'éliminer chacune des cibles sans recourir à tes armes. D'accord. Tuer 4 gardes. Attendez. Là, il vient de me dire qu'il faut pas que j'utilise mes armes. D'accord. Je vais tuer comment alors? Au point? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va prendre la fiche qui est au-dessus. Je sais, je m'en vais, je m'en vais. D'accord, c'est lequel? C'est celui qui est sur le toit. Allez, va-t'en. Ok. Donc je préfère pas descendre ici parce qu'ils vont me tuer sinon, enfin ils vont me faire chier. Ok, donc c'était lui. Donc j'ai le droit de tuer avec mes armes. C'est bien ce que je me disais. Bien, que faut-il faire? Eh ben suis-moi. Ah, on a une page du codex. Elle doit être au-dessus. Ou à l'intérieur. Ouais, elle est à l'intérieur, mais on le fera plus tard. Ok, l'autre il est où? Hey, tout a l'air facile avec vous. Il doit être au-dessus.
pense pas qu'ils vont grimper avec moi. Non, ils vont pas grimper. Ok, ils sont deux. Allez, je vous attends. En plus, on a une plume. Là-bas, là, attrapez-le. Ah, l'enfoiré. Je ne le vois plus. La blague. Ah, la blague. Ah, bordel. Je pensais pas que j'allais mourir, je pensais pas qu'elle allait réussir à me toucher. Eh bah si, il faut que je refasse tout, d'accord. Donc, ma petite accélérée. Ok, donc on y est. D'accord, il est tout seul maintenant, pourquoi pas. Boum. Ok. Hop, donc plus que deux. Tac-o-lac. Attendez, Thor, gros ça. Attendez, pourquoi il m'indique ça là? Thor, gros ça, culminant, ouais, on va pas lire. Mais je veux savoir pourquoi il m'indique cet endroit. Pourquoi il m'indique ça? Ah, parce que maintenant les tombeaux ils sont cachés, c'est ça? Ah oui. Ok, les tombeaux ils sont pas indiqués. En tout cas là je vois pas l'indication. Ouais, bref, on verra ça plus tard. Ok, il est là-bas. Il va me voir, il va me voir, il va me voir. Le voilà. Aïe, 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 aïe. Il va s'enfuir. Tu dégages. Ok. D'accord. Attends, je vais essayer de le fouiller. D'accord, il bouge plus. Donc, bah, le dernier.
Alors bah on a un coffre au passage. Alors. Allez, je vous laisse avec. Et le dernier, il est. C'est impossible. J'ai perdu sa trace. Le voilà, là-bas. Eh oh. Hey, laissez-moi. Voilà. Mais c'est sérieux là? Ils arrivent pas à le tuer ou quoi? Tu vas mourir. C'est toi qui. Mince! Ah bordel! Eh, c'est pas possible là! Ils vont pas me faire chier pour le dernier! Bon, et écoutez, hop! On va leur faire leur misère! Tu dégages! Tu dégages! Tu dégages! Tu dégages. Ah, lui il a pas voulu par contre. Donc écoutez, là il me laisse tranquille, donc on va monter. On va réussir à le tuer ou pas? Où est-ce qu'il est? Ok, c'est lui là-bas. Ah mince! C'est pas le bon! Il s'échappe, il s'échappe! Ah l'enfoiré! Chopez-le, chopez-le! Bon, tu dégages ou quoi? Ah la blague! Où est-ce qu'il est? C'est lequel? Ah c'est lui là-bas! Avec le truc bleu! Voilà, enfin! Ah bordel! Ok, enfin! Donc écoutez, on va cesser ici pour cet épisode, comme d'habitude. On va juste grimper ici pour être tranquille. Voilà. Donc bah écoutez, on a fait... Combien de missions? On en a fait 4, je crois, ou 3? Ah non, ok, il est là le tombeau, d'accord. Je l'avais pas vu. Donc voilà, dans le prochain épisode, je pense qu'on fera une mission principale. Ou, ouais si, je pense que si. Parce que là, on en a 3 en cours, on en a une ici. On en a 2 ici, une ici et une ici, on a le tombeau. Et puis c'est tout. Bon, ça fait quand même 4 missions principales. Enfin 3, plus le tombeau. Donc voilà, donc écoutez, on va cesser ici pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on fera ça. Donc comme d'habitude, si... Ok, je crois que c'était un ennemi. Donc comme d'habitude, si il vous a plu, laissez un like. Et on se dit à la prochaine, salut.